Salut les amis, c'est tout pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le 22e épisode de l'épisode de la carrière suivie sur Farming Simulator 17. Donc, j'avais oublié de replier la moissonneuse, ok. Donc, pour ce 22e épisode, on va récolter le maïs. Voilà, donc on commence sur ce champ-là, comme ça change. Et on va récolter le maïs, tout simplement. Ce qui changera un petit peu. Donc là, c'est pas de l'ensilage de maïs, c'est juste de la récolte de maïs comme ça, brut. Pour voir un petit peu, ça change un petit peu. Et l'ensilage et la cueillette de maïs comme ça, ce n'est pas pareil. Donc je voulais aussi vous le faire montrer tout simplement. Donc voilà, j'ai garé la remorque ici, donc c'est très bien. J'ai pas eu le temps de faire de l'ensilage. Et il y a un jour qui est passé, donc du coup, j'ai perdu 10 000 euros à cause de tous les frais, hein, comme d'habitude, de toute façon. Ça ne change pas, j'ai envie de dire. Hop, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Hop, on se débrouille un peu comme on peut, voilà. Hop, c'est bon, c'est parti. On est parti pour. Cultiver pour récolter tout ce champ, j'ai envie de dire. Donc là, on a fait le maïs, donc il nous restera plus qu'à faire l'ensilage de maïs, betterave et pommes de terre. Alors là, en fait, je vais récolter le maïs. Donc là, j'en fais un bout avec vous. Après, je récolterai le maïs. Et après, ce que je ferai, c'est donc vider l'ensilage d'herbe que j'ai fait avant de semer le maïs. Qui nous rapportera beaucoup d'argent aussi, et j'espère qu'après on aura assez pour nous payer l'ensileuse. Sinon, je vais devoir être obligé de refaire un petit peu d'ensilage d'herbe, et ça va m'embêter énormément. Mais bon, j'espère qu'on va y arriver à faire sans tout ce micmac. Ça serait plutôt sympa, et ça m'aiderait beaucoup aussi. Donc voilà, hop hop hop, hop 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 hop. Donc voilà. C'est très très long. Ouais, c'est bon, ça va. Ça va à une vitesse raisonnable, j'ai envie de dire. Donc ça va. Pour ceux qui regardent aussi les vidéos news et qui suivent ma série, donc j'ai fait une vidéo news lundi. Donc n'hésitez pas à aller voir. Elle est sortie un petit peu en retard parce que j'ai un petit problème d'emploi du temps en ce moment. Bon, s'il faut, je profite des vacances aussi, donc voilà. Mais c'est vrai que, ouais, un petit problème d'emploi du temps de temps en temps, mais sinon, ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Les vidéos arrivent, hein, ne vous inquiétez pas là-dessus. Voilà. Hop, 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 ça avance tranquillement, tranquille. Hop. Donc c'est vrai que les moissonneuses, elles vont juste à 10 km/h, donc c'est un petit peu dérangeant, avec une barre de coupe assez restreinte, mais sinon, ça va, ça va. Donc c'est une Atros 595 plus, ouais, en location bien sûr. Donc c'est vrai qu'à chaque heure passée sur la moissonneuse, ça rajoute de l'entretien supplémentaire. C'est pas pourquoi ça fait ça, même sur les véhicules achetés. C'est un petit peu embêtant, ce genre de choses, mais on est bien obligé d'y passer. Dans tous les cas. Hop, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Hop. Voilà, c'est parti. On est déjà à 50%. Ah oui, bah, vu que ça rapporte moins le maïs, automatiquement ça en fait plus. Hein. C'est un petit peu la logique dans le jeu, c'est que bah. C'est une logique aussi pour pas trop cheater, mais peut-être que c'est la réalité aussi, dans la réalité aussi, je sais pas. Mais dès qu'une culture rapporte moins, on en a plus. Et quand la culture rapporte énormément, ça en produit moins. Donc voilà, après je pense que c'est normal quand même à ce niveau-là. Voilà. Hop, hop, hop. Ça avance tranquille, tranquille. Hop. Voilà. On est déjà à la moitié du champ, ouais, presque. Presque, presque. Hop. Hop, hop, hop. Donc c'est vrai qu'on avance pas mal sur la série. Il nous restera plus que les betteraves, les pommes de... Non, ensilage de maïs, qui nous permettra
de nous acheter les machines à betteraves et à patates. Donc, faut que je regarde. Faut que je cherche des modes pour avoir une grande barre de coupe. Parce qu'une barre de coupe de 3 mètres, non, c'est pas possible. C'est pas possible, vraiment pas possible. Donc, moi, il me faut une barre de coupe plus grande. Sinon, ça va pas le faire du tout. Sinon, ça va pas me faire, ça va pas le faire du tout. Ça, c'est sûr et certain. Donc, faut que j'en recherche une comme à chaque fois. Et après les animaux, on gardera peut-être quelques betteraves et patates parce qu'il y a des animaux qui y en mangent. Donc on en gardera peut-être. Allez, dépêche-toi. Hop, voilà. Parce qu'il y a comme les cochons, ils mangent un peu de tout. Pas chaud qu'il y a des vaches qui mangent les betteraves. Enfin, voilà, faut. On les vendra peut-être pas, je sais pas. Je sais pas ce qu'on en fera, on verra bien au moment venu et l'argent qu'on aura, tout simplement. Voilà. Et après, pour le forestier, je sais pas. Franchement, je sais pas, je suis encore en questionnement là-dessus. Je sais pas du tout encore pour le forestier où ça en est, tout simplement. Est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on n'en fait pas voilà. C'est encore. Enfin, est-ce qu'on en fait dans cette saison à la suite de la série ou est-ce qu'on en fait une saison à part? Voilà. Vous avez ma réponse, je pense. Je sais pas. Tout simplement, je sais pas encore. À vous de me dire aussi dans les commentaires. Hein, à vous de me dire aussi dans les commentaires. Hop, 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 hop. Hop. Voilà. Voilà. Ah bah tiens, presque 100% déjà de la trémie. Peut-être au bout de la ligne, ça va être sera bon. Je pense que oui. Hop, hop, hop. 98, non, toujours pas. Allez, 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 allez. Bah d'accord. C'est vraiment pour se foutre de ma tronche. Hop. Allez, hop. C'est parti. On va chercher. On va chercher. On va vider la traînée, excusez-moi, oh lolo. N'importe quoi, n'importe quoi. Ah oui, il y a ce hangar là aussi, j'utilise pas beaucoup parce que j'aime pas trop ce hangar là comme ça. C'est vrai que c'est bête, mais en même temps, il est un peu loin aussi. Peut-être qu'on aura, on aura plus de place dans nos hangars, on l'utilisera peut-être, je sais pas. Hop. Des petits miel pops. Allez. C'est surtout faire des pop-corn. C'est surtout ça. Ah, c'est bon, c'est fini. On va garer ça là. Voilà. Ça m'embête pas pour tourner. C'est tout ce que je demande, mais normalement, ouais, ça ne devrait pas, je pense, m'embêter, trop m'embêter. Voilà. Allez, il reste plus grand-chose à faire sur ce champ 15. Ouais, c'est ça. 15. Après, il y a le 14 et le 12. On n'aura pas le temps de tous les faire de tous les cas. Le 12 qui est grand. Donc c'est pour ça que chaque fois, je commence par les petits champs. Comme ça, vous avez le temps de voir que ça se finit bien en vidéo. Voilà, ça permet un petit peu de d'équilibrer tout ça. À mon avis, vous n'aurez pas le temps de voir l'autre champ fini, mais au moins déjà celui-là sera déjà pas mal. Puis moi, ça me fait un champ en moins à faire hors caméra aussi. Voilà, tout simplement. Ça m'aide beaucoup pas mal. Donc, on verra au prochain épisode combien ça nous aura apporté. Plus avec l'ensilage d'herbe. Et est-ce que le prochain épisode, ça sera l'achat
de l'ensileuse, peut-être. Si c'est l'achat de l'ensileuse, je pense pas vous embêter avec une semis de maïs. Donc on verra. On verra, on verra où on en est à ce moment-là. À ce moment-là ou pas, sinon ouais, on verra. Parce qu'à mon avis, j'aurais pas le temps de tout faire là hors caméra. Ouais, à mon avis, on verra. On verra où. Enfin, vous verrez. Voilà. Ah oui, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est très très important. Par exemple, bah, comme lundi, vu que la vidéo est sortie à la bourre, j'ai prévenu sur les réseaux sociaux, tout ça. En plus, j'ai amélioré mes bannières, donc aussi sur les réseaux sociaux, parce que la bannière était trop grande. Donc j'ai amélioré ça aussi sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, ça fait un peu plus propre. Et voilà. Pour avoir un peu des pages propres sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, n'hésitez pas à me suivre dessus, c'est très important, tout simplement. Chose qu'on peut pas faire sur Twitter, sur YouTube par exemple. Avant on pouvait, je crois, sur YouTube, mais maintenant on peut plus, je sais plus. Ou si on peut écrire sur YouTube, mais je crois que c'est aux abonnés d'aller voir la chaîne. Sinon, bah, on le voit pas dans la boîte d'abonnement, tout simplement. C'est vrai que c'est un petit peu bête. Et bon, ça évite aussi de se faire spammer par. Ouais, enfin, je sais pas. C'est un petit peu bête, quoi. Bon. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, comme ça arrangera les choses. Hop. Hop, on se redresse. Voilà, bon, plus qu'un retour, et puis c'est bon. On peut commencer le champ 14. Mais le champ 13, il est où? Où est ce foutu champ 13? Ah, il est. Ils sont bêtes. Ah non, gros, c'est de gauche à droite. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Ok, ils ont fait comme ça, d'accord. Pour les numérotés, d'accord. Donc après, c'est le champ 12, tout simplement. Ok, ça marche, ça marche, ça marche. Hop. Allez, plus que ce dernier, c'est cette petite dernière allée, et puis c'est bon. Cette dernière rangée, et puis c'est bon. Excusez-moi, bah décidément. Et puis c'est bon, voilà. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Allez. Un petit peu longue la moissonneuse, hein. Ça recrache les morceaux, ça fait de la fumée, hein. Hop. Tout, tout, tout. Allez hop, on est reparti de ce côté-là. Pour faire le champ 14 cette fois-ci, je me suis pas trompé. Non, c'est pas que je me suis trompé, c'est que je regardais comment étaient organisés les champs. Donc nous on a le champ 7. On a 4 champs. Donc le champ 7 c'est que de l'herbe. D'ailleurs la petite rangée du champ 7, je voulais la. Mais il faut acheter une charrue et j'ai pas envie, je voudrais faire des économies. Donc voilà, c'est pas grave, ça passe pas. Hein. Ça presse pas du tout, donc voilà. Franchement, ça presse pas de d'acheter une charrue, ça attendra, et puis c'est tout. Hein. C'est tout, c'est tout. Hop, hop, hop. Allez. Voilà. 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 Et on est parti. Voilà. Tac. Tac, tac, tac. En plus, le champ est le plus long. Le plus grand. Donc, ouais. Ouais. Ah non, c'est l'ombre. À chaque fois, je me trompe. L'ombre de la moissonneuse, j'ai l'impression que. En fait, il y a un côté pulvérisé, pas pulvérisé, ouais, c'est un peu bizarre.
C'est un petit peu bizarre alors que c'est pareil. Le champ est pareil, c'est vrai que c'est un peu bizarre, c'est trompeur quoi. C'est énormément trompeur. Ça, je voulais joindre tous les champs. Mais déjà, ça aurait pas été possible parce que là-bas il y a un caillou. Et puis là-bas il y a le truc de la fontaine. Ah, sinon, on aurait pu joindre le champ. Ouais. Juste ces deux champs là, pourquoi pas, mais bon. Ça aurait été un petit peu embêtant. Là, c'est très bien comme ça. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Donc, voilà. Hop, allez, on est reparti pour une rangée. Normalement, le son du jeu est bien réglé, vous devez bien l'entendre normalement. Mais bon, c'est aussi ma voix que vous devez entendre hein, quand même. Sinon, ça ne sert à rien que je commente. Hop, hop, hop. Ouais, donc j'ai hâte quand même d'avoir l'encileuse. Ah, faut vider la moissonneuse. Donc j'ai hâte quand même d'avoir l'encileuse. On va pas prendre l'encileuse comme les autres. On va prendre la New Holland. Donc il coûte quand même 341 000 euros. Et plus la barre de coupe, il y en a pour 350 000, je pense. Donc, ouais. Allez, on va récupérer les popcorns. On se fait des miel pops. Allez, 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 allez. Voilà. Allez, c'est de remplir équitablement. Attends, je vais me replacer correctement. Voilà. Donc, c'est reparti. B, voilà. Hop, 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 c'est bon. J'ai rangé la remorque ici. Donc, c'est bon, on est tranquille. Hop. On va pouvoir terminer l'épisode tranquillement. Donc, il nous reste, à mon avis, on n'aura pas le temps de faire la moitié du champ. Ça va être just. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, c'est à peu près la même chose que le tournesol. L'ensilage de maïs, du coup, ça va être un peu pareil, mais bon. J'en suis désolé. En espérant que ça soit ça. Enfin, oui et non, parce que si c'est ça, j'aurais trop de off à faire. Oui, trop de off à faire, ça c'est sûr et certain. Ouais, donc on verra, je sais pas. Sinon, j'étais obligé de mettre des ouvriers. Hein. Ça m'embête parce que ça coûte cher un ouvrier. Énormément cher. Ça qui est embêtant. Sinon, on va être obligé, tant pis, tant pis. Hein. Moi, ça m'embête énormément de mettre des ouvriers. Ça me permettrait d'économiser du temps. Mais. Parce que là, par exemple, je pourrais mettre un ouvrier, s'occuper de l'ensilage, des trucs comme ça. Mais. C'est vrai que c'est pas trop possible, quoi. Tant pis, tant pis. On va faire avec, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi ça coûte aussi cher d'ailleurs les ouvriers. Avant, ça coûtait pas si cher que ça, mais bon. Sauf que des fois, ils font plein de bêtises. Enfin bref, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est pas grave. Tant pis, tant pis. On va faire avec. On va faire avec. Hop. Voilà. On remonte la côte. En plus, la côte est raide. Ça aussi qui est un peu chaud. Mais ça va le faire, ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Déjà d'avoir une grande benne, ça aide énormément. Parce que ça, à chaque fois, on s'embêtait avec la petite benne là. Oh là là, c'était embêtant ça. Je sais pas pourquoi on n'avait pas acheté une remorque plus tôt d'ailleurs. Acheté une benne plus tôt, enfin bref. Donc voilà les amis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en pouce bleu. Twitter, Facebook, c'est dans la description, comme toujours. Le petit lien PayPal pour me soutenir aussi, c'est sur la base du volontariat. C'était Sirius, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.